Waouh, on se croirait dans l'un de ces endroits où on allait voir les films avant que le piratage nous les livre à domicile. Ah, ah. Hey, merci de nous aider à sauver nos nous en 8 bits. Oh, j'ai dû faire plein de double sauts chez les IV. T'aimes les donuts, toi aussi? Un peu que j'aime, t'en veux un? Juste c'est pixelisé. Je t'aime bien, vieille version pourrie de moi. Attention, les Simpsons, on tourne ici en rond depuis longtemps, et je vous préviens. Kouabunga! Un jour, votre jeu sera lui aussi ringard. Pas question! Les Simpsons, le jeu est vraiment super! C'est pas parce qu'on a détruit ou oublié tous les autres jeux vidéo que le nôtre doit y passer aussi! Bart, elle a raison! Enfin, je veux dire, j'ai raison! On a toutes les deux raisons! Aucun jeu vidéo n'est à l'abri d'une industrie qui cherche sans cesse le nouveau truc à la mode! C'est vrai, les Simpsons, le jeu est génial! Avec les capacités uniques et évolutives de ses personnages, mais aussi avec ses cinématiques hilarantes et référentielles! Mais en sera-t-il de même quand la Xbox 720 et la PlayStation 4 sortiront? Plus personne ne voudra jouer avec nous! C'est le prix d'endroit paumé! Les mecs qui font des jeux vidéo s'en mettent plein les poches! Et moi, pendant ce temps, je dois me contenter de mourir et de mourir encore! À chaque fois, c'est pareil. Mais que pouvons-nous faire? Nous sommes juste des pixels en haute définition dans un univers que nous ne pouvons pas contrôler. Et pendant que nous parlons, Springfield se fait détruire par une invasion alien digne d'un horror show. Oh, c'est vraiment pas drôle quand ce genre de truc vous tombe dessus. Ouais, on sait même pas à qui on doit botter le derrière. Je sais où vous pouvez aller. La demeure de notre créateur. Il a créé tous ces mondes. Peut-être qu'il peut arrêter ce cycle de destruction inutile. Au créateur, hein? Je vais lui mettre un triple combo en pleine figure. Reste cool, mec. Tu dis toujours ça, je m'en doutais. Le seul moyen d'ouvrir le portail est de passer par chacun des nouveaux jeux Simpsons développés par le créateur. Quand vous êtes dans un jeu, vous devez trouver une carte clé. Il nous faut les 4 cartes clés pour pouvoir ouvrir le portail. Des cartes clés? C'est le truc le plus nul qui existe pour un jeu vidéo. Pourquoi on fait pas un truc cool comme collectionner des cartes mortelles de toutes les couleurs? Ça, ce serait vraiment fantastique. Kouabunga! Allez, on y va, les amis. On va aller dire au créateur ce que l'on pense de tout ça. Et faut sauver Springfield! Oh, il y a de la parodie de jeux vidéo dans l'air. Au loin. Elle se rapproche de nous. C'est un didacticiel. Que la tranquillité soit...
À mon tour. Quel joli niveau! J'aime beaucoup ce genre de thème! J'ai bien un thème, moi aussi! Puisqu'on s'est enfin débarrassé des gosses, on pourrait... C'est impossible, Homer! Tu vas gâcher la classification pour enfants du jeu! À l'aide! À l'aide! À l'aide, s'il vous plaît! Tes oreilles sont pointues! Viens, Homer, il faut qu'on aille sauver ces petits êtres. Mais Marge, j'arrive pas à me contrôler. Tu es sexy comme maman. Le bon mot, c'est elf. Et pas de câlinou avant d'avoir terminé notre mission. T'es tellement sexy. Génial. Pour me mettre en confiance.
tout cancer. Je me ferais bien un petit napoudrier. Ça fait du bien de se vestir. Vive la avoir sauvé grand bonhomme. Que pouvons-nous faire pour vous remercier? Vous pourriez nous dire où trouver la carte clé. Vous pourriez nous laisser 5 minutes d'intimité ou 2, ça suffira. L'objet que vous cherchez est derrière cette porte, mais la magie garde les lieux. Ah! Eh ben, l'est plus. En fait, on n'était pas sûr. Nous sommes dans un donjon, Marge. Ça sent moins confortable que notre chambre à coucher. Super! Et ça me fait du bien de ne pas penser aux enfants. Des gamins méchants vivent ici. Il n'y a pas de dragon dans la Bible. Rassemblez-moi ça. Montez-moi ce truc. Tout est sombre ici. Je suis fier de moi. Marge est notre reine. Vous amusez bien, votre petit ange. Je me suis écorché la pointe de l'oreille. Enchanté, on travaille, enchanté, on travaille. J'ai de l'or ce soir. Je suis payé à coup de lambasse. Trop de liberté, tu la liberté. Marge est un vrai leader. Des dégâts.
On se croirait dans un film super connu. Ça sent pas bon ici, comme dans mon lit. Il va falloir que je me bouffe les poils des pieds. En avant les mamans. À mon tour. La marche. Foirez bien un coup pour me mettre en confiance. Le sang a un goût de sel. Ok. Je préfère Maria. On va remonter à Nabucca. Méchants vivent ici. Il va falloir que je me coupe les poils des pieds. Mort aux humains! Je suis là comme moi. Je le roi qui te tient en fèche. Je préfère Narnia. J'ai pas le droit de voir les films Le Seigneur des Anneaux. Vraiment n'importe. Tout est
fait sombre ici. Ça fait du bien, ça veut dire. La foule passe avant l'individu. Il est temps d'attaquer. Allez. Boirez bien un coup pour me mettre en confiance. Allez-y, cassez-vous. T'as pas dit que ceux qui jouent aux jeux vidéo finiront en enfer. Il est temps d'attaquer. Allez. Vive la réussite. Trop de liberté, tue la liberté. Je parie que je vais tuer un million d'or. J'ai pas le droit de voir le film Le Seigneur des Anneaux. Youpi, youpi, vive le sang. Woman, mon crâne. Ok. Ma bouche est pleine. J'ai du poil opaque. J'aime la foule parce qu'on se frotte les uns contre les autres. C'est moi. Je croyais que j'avais des chaussures. Marge est notre reine. Oui, madame. Je suis dans l'équipe de Marge. Il n'y a pas de dragon dans la bulle. Ok. Les gamins méchants vivent ici. Je ferai n'importe quoi, vraiment n'importe. Ça, c'est un grand thriller. Génial. Je vole. Oh, est-ce que c'est grâce à la science, à la magie ou à la bulle de mes bières? Aucun niveau de ce jeu n'est basé sur les films Police Academy. Ne détruis pas la nourriture. J'ai pas le droit de voir les films Le Seigneur des Anneaux. Ça sent pas bon ici, comme dans mon lit. Gardez les clés pour ouvrir les portes. Enchanté, on travaille, enchanté, on travaille.
Papa dit que ceux qui jouent aux jeux vidéo finiront en enfer. Les gamins méchants vivent ici. On dirait du sang. Je préfère Narnia. Personne ne me donne jamais mon état de santé. Homer, ta santé diminue rapidement. Tu peux pas être un peu plus positif? Les gamins méchants vivent ici. Pour me mettre en confiance. On croirait dans un film super connu. J'ai envie de faire un câlin à mon ours en peluche. Le Hobbit est le meilleur. Mort du l'hémorragie interne. Je le sens. Je me sens vivant quand je tue. Ça sent pas la rose par là. Je me suis écorché la boîte de l'oreille. J'avais mon livre Donjons et Dragons pour les nuls. J'ai mouillé ma couche d'or. J'ai pas le droit de voir les films Le Seigneur des Anneaux. Il va falloir que je me coupe les poils des pieds. Tout est sombre ici. Il n'y a pas de dragon dans la Bible. Ah, youpi, youpi, vive le sang. Ma petite lame fait des dégâts. Ah, je vais leur tirer les cheveux. Finalement, c'est chouette. Le sang a un goût de sel. Vive la réussite. Enchanté, au travail, enchanté, au travail. Je parie que je vais tuer un million d'or. Dans quel état, j'ai... Un déshumidificateur pour la du Bim, bam, boum. Ça sent pas la mort, par là. Homer a besoin urgent de nourriture. Homer aimerait également de la bonne bière. L'hémorragie interne, je le sens. Je préfère Narnia. Oh, je croyais que j'avais des chaussures. Vous pouvez compter sur moi. Marche en action! J'ai du poil aux pattes! Donne-moi votre poche! C'est amusant de ne pas être tout seul! Les gamins méchants vivent ici. Wendam! Il n'y a pas de dragon dans la Bible! Les ennemis méritent de mourir! J'ai peur dans le noir. On va manger de l'orque ce soir. Ça fait beaucoup. Je préfère Narnia. Voilà, Max. Je parie que j'ai tué un million d'orques. Ça va piquer. Vive la réussite.
dois subsister. Un déshumidificateur, ça serait pas du luxe. Ouh, de la lave et du magma. Je ferai n'importe quoi, vraiment n'importe. Un déshumidificateur, ça serait pas du luxe. C'est compliqué, le Moyen-Âge. La fleur, c'est un troll. Là, au moins, on respecte. Je me sens vivant quand je suis là. On dirait bien. Allô, madame, à l'écoute. Tout est sombre ici. Trop de liberté, tu la liberté. Ça sent pas bon ici. Comme dans mon lit. J'ai pas le droit de voir les films, le Seigneur des Anneaux.
manque mon grain. À moi ! La foule va savoir l'individu. J'ai pas le droit de voir les films Le Seigneur des Anneaux. Génial ! Un peu de ça, Narnia ! Je préfère Narnia. Ma bouche est pleine. Ça sent pas la rose par là. Les gamins méchants vivent ici. Messieurs morts, vous allez mourir. Le monstre hideux attaque avec ses deux têtes. J'ai fini par tuer tes sœurs. Je suis le mec magique le plus heureux de ce niveau. Bah, au moins, on a arrêté de fumer. Même si je n'approuverais jamais de massacrer des membres de sa famille, j'étais pas loin de le faire avant de passer ce niveau sans les enfants. Mon précieux. Yes,
jouer, seigneur des anneaux d'Oignon. Ça fait du bien une bonne blague. J'ai faim. Écoutez-moi bien, vous autres. Selon nos renseignements, l'ennemi s'apprêterait à envahir Saint-Capitulon, une jolie petite ville française. Inutile de vous dire que cette zone est importante, car c'est là que sont stockées les réserves des escargots pour toute la résistance française. Prenez-en, les Français! Sacre bleu! On est, comment dire, fini! Oui, monsieur, je peux en avoir encore. Ah! Ouh, regardez, je suis la France, je suis une femme latrouillarde et j'aime pas être bombardée et attaquée. Hé, hey, arrête ton cirque, on est ici pour protéger ces bouffeurs de fromage dégonflés. Faut qu'on décroche ces drapeaux blancs avant que les Allemands s'en servent comme papier toilette. Oui, sergent. Vous savez, sergent, pendant que votre fils et votre petit-fils décrochent les drapeaux, nous pourrions décrocher les tableaux inestimables du village avant que les Allemands mettent la main dessus, vous voyez, pour les mettre en sécurité. On dirait que tu prépares un sale coup, mais comme t'es américain, je sais bien que c'est pas le cas. On va chercher les tableaux. Vous deux, occupez-vous des drapeaux. C'est quoi comme guerre? Mais qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école? C'est la guerre civile, allons. Ne soyons pas lâches et accomplissons notre devoir. Rendons-nous. Je viens. Quand la guerre sera terminée, j'ouvrirai une école de capitulation pour aveugles. Le drapeau appartient aux États-Unis de Bart. S'ils veulent se battre, tournez-vous. Ils n'oseront pas vous attaquer par derrière. Souvenez-vous que rien n'est impossible quand on a le cœur pur ou quand on a peur. On dit que nous nous rendons comme des mauviettes. Montrons au monde que nous nous rendons comme des hommes. Merci, mon pote. Monnaie se prend pour un génie. Comme si personne n'avait jamais vu de nulle part. Appliquons-nous pour cette réédition. Vous savez, il faut un village pour élever un enfant et lui apprendre à se rendre. J'ai rencontré Jean-Paul Sartre à un dîner et il m'a parlé du néant dans l'inconscient et blablabla. Bla bla. En nous rendant maintenant, nous encouragerons nos alliés à se battre encore plus. Heureusement qu'il ne reste pas lui. Abandonné. J'arrive pas à croire que ces rostis anglais nous traitent de mangeurs de grenouilles. Filons à la vitesse du vent. Génial. C'est notre pays que nous abandonnons, pas notre style. Rendons-nous avec classe. Sauvez mes fesses. Pourquoi est-ce que chacun de nos mots doit être féminin ou masculin? J'avoue que je ne comprends pas. Si vous avez honte, reprenez un peu de vin. Au secours! Une femme est aussi capable qu'un homme de se rendre. Entre la crêpe et le croissant, c'est le plus fort. Je me souviens de ma femme. Filons pendant qu'il est encore temps. J'aurais dû plus m'appliquer en français à l'école. Il y a plein d'Américains. Wow.
pointe et aucune trace de Jerry Lewis. Filons à la vitesse du vent. Je me rends, donc je suis. Je sais que ça fait cliché, mais j'adore les bérets. Il fait sec ou ça vient de moi? Mes lèvres sont toutes percées. J'ai l'impression de parler avec des baguettes. Sauvez mes fesses. Je me suis fait virer du cours de mime parce que je ne savais pas que vous ne pouviez pas parler. Alors vous pouvez m'en dire plus. Je crois bien que je me suis fait draguer par Brigitte Bardot une fois dans un train. Si, c'est vrai. Nous sommes faits. Je me rends, donc je suis. Tout le monde se lève au son des matines. Pourquoi frère Jacques ferait-il la grâce infinie? Sauvez mes fesses. Pourquoi est-ce que chacun de nos mots doit être féminin ou masculin? J'avoue que je ne comprends pas. Filons à la vitesse du vent. Nous sommes prêts. Ça n'existe pas. Moi dans un train. Si, c'est vrai. J'arrive pas à croire que ces rostis anglais nous traitent de mangeurs de grenouilles. Ma période préférée de l'année, c'est quand l'été capitule devant l'automne. Les feuilles abandonnent leur couleur. Un Français qui ne se rend pas, c'est comme un envers qui ne sent rien. Ça n'existe pas. Je me suis fait virer du cours de mine. Souvenez-vous que rien n'est impossible quand on a le cœur pur ou quand on a peur. Il fait sec ou ça vient de moi? Mes lèvres sont toutes percées. J'ai l'impression de parler avec des baguettes. J'ai rencontré Jean-Paul Sartre. Inconscient et... Sauvez mes fesses. Mes pieds me font mal, mais tant pis. On dit que nous nous rendons comme des mauviettes. Montrons au monde que nous nous rendons comme des hommes. Ça fait cliché, mais j'adore les bérets. Sauvez mes fesses! À bientôt, monsieur le crétin! Nous sommes foutus! Foutus! Une femme est aussi capable qu'un homme. Toutes ces histoires d'amour que font la nation de la France, les plus belles restent celles de Pépé le Putois. Français qui ne se rend pas, c'est comme un camembert, on sent rien, ça n'y coûte pas. Appliquons-nous pour cette rédition. Je me rends. Nous sommes prêts. En nous rendant maintenant, nous encouragerons nos alliés à se battre encore plus. Pourquoi frère Jacques fait-il la grande matine? Je sais que ça fait cliché, mais j'adore les bérets. C'est notre pays que nous abandonnons, pas notre style. Rendons-nous avec classe. Mais en voilà. Je crois bien que je me suis fait draguer par Brigitte Bardot une fois dans un train. Si, c'est vrai. Je vais en faire un joli napperon. Filons pendant qu'il est encore temps.
J'arrive pas à croire que ces rostis anglais nous traitent de mangeurs de grenouilles. C'est quand l'été capitule devant l'automne. Montez-vous devant. Sauvez des fesses. Un Français qui se rend pas, c'est comme un camembert qui sent. Chacun de nos mots doit être féminin ou masculin. J'avoue que je ne comprends pas. Les pieds me font mal, mais tant pis. C'est moi. Ce sont des matines. Pourquoi faire jaune? Filons pendant qu'il est encore temps. Laissez-moi passer. Vous avez honte. Reprenez un peu de vin. Au secours! Je me rends, donc je suis. Je me suis fait virer du cours de mime parce que je ne savais pas que vous ne pouviez pas. Alors vous pouvez m'en dire. Filons à la vitesse du vent. Sauvez mes fesses. Quand vous vous inclinez, mettez tout le poids du corps sur le genou replié. C'est quand l'été capitule devant l'automne, que les feuilles abandonnent leur couleur et que la chaleur abdique face au froid. Marie-Antoinette était peut-être une vraie fête, il n'empêche qu'elle s'y connaissait en pâtisserie. Zut, zut et zut! Si nous n'appliquons pas, comment ce fichu va-t-il survivre? Reviens-t'en, sous ces crétins! Merci de renoncer à ton drapeau! Laissez-moi passer! À mon tour! Zut, zut et zut! Assurez-vous que votre drapeau soit bien blanc, pas blanc gâté ou belge! Tout le monde se lève au son des matines! Pourquoi faire Jacques ferait-il la grâce à tout? Mes pieds me font mal, mais tant pis! J'adore le miracle! Une femme est aussi capable qu'un homme de se rendre! Attends, ce crétin! Poussez-vous devant! Filons pendant qu'il est encore temps! Filons à la vitesse du vent! S'ils veulent se battre, tournez-vous. Ils n'oseront pas vous attaquer par derrière. Assurez-vous que votre drapeau soit bien blanc, pas blanc gâté ou vert. Quand la guerre sera terminée, j'ouvrirai une école de capitulation pour aveugles. Quand vous vous inclinez, mettez tout le poids du corps sur le genou replié. J'aurais dû plus m'appliquer en français à l'école. C'est notre pays que nous abandonnons, pas notre style. Rendons-nous avec classe. Monet se prend pour un génie. Comme si personne n'avait jamais vu donner nulle part. Appliquons-nous pour cette réussite.
quand la guerre sera terminée, j'ouvrirai une école de capitulation pour aveugles. S'ils veulent se battre, tournez-vous. Ils n'oseront pas vous attaquer par derrière. Ooh.